Frères et sœurs humains, salutations fraternelles. Nous sommes le 16 novembre 2021 et je suis en train de regarder la conférence de Jean-Luc Mélenchon à l'Université de Lille qui a été publiée hier, j'ai l'impression. J'en suis à 48 minutes 58 et je fais cette vidéo en réaction à plusieurs propos de Jean-Luc Mélenchon, en avant-propos de la critique constructive que je m'apprête à faire. Je voudrais d'abord rappeler que je suis un insoumis, que je suis les chaînes insoumises, je mets quasiment systématiquement des pouces bleus. J'ai fait des propositions pour la réactualisation de l'avenir en commun, etc., etc. Bref, je ne suis pas un ennemi, et je suis un insoumis, et en tant qu'insoumis, j'ai donc un esprit critique, je suis un esprit libre, et donc les critiques que je fais sont des critiques qui se veulent constructives. J'espère qu'elles apportent quelque chose de positif au débat. Donc voilà, ce n'est pas, je ne réagis pas sur l'émotion, ou je ne suis pas un troll, ou que sais-je, d'accord? Je suis un insoumis qui a un esprit critique et qui essaie d'apporter une analyse des idées critiques, mais constructives, qui vont de l'avant. Donc, dans les différents sujets que Jean-Luc Mélenchon aborde dans cette conférence, jusque donc à la 48e, 49e minute à peu près, il y a plusieurs choses qui m'ont un peu interpellé, si je peux dire ça comme ça. La première, c'est quand il est questionné sur le financement de son programme de l'avenir en commun et des mesures, comment est-ce qu'il compte financer la politique qu'il souhaite mettre en place. Et donc Jean-Luc Mélenchon répond logiquement en homme de gauche par l'impôt, d'accord? Or, il me semble que ce logiciel, pour utiliser un peu les mots habituellement employés, est daté. J'ai conscience que la vision que je propose de l'impôt est ultra minoritaire, voire je suis peut-être le seul à le proposer, je ne sais pas. Malgré tout, je le fais, je ne suis pas économiste, je n'ai pas mon bac, je suis juste moi-même et j'essaye simplement de réfléchir, donc peut-être que les propositions que je fais sont invalides, et dites-le en commentaire dans le respect si tel est le cas. Mais pourquoi est-ce que je dis que la logique de financement des biens et des services publics par l'impôt est datée? Parce que dans la vision de l'organisation de la société que je propose, premièrement, les biens et les services publics, le fonctionnement de l'État et de la nation, des infrastructures, etc. en général, se fait par la création monétaire, d'accord? Une nation souveraine et démocratique, bon, ça c'est un autre point, mais en tout cas souveraine, possède en propre le pouvoir de battre monnaie, ce qui n'est pas actuellement le cas pour la France, ok? Puisque nous dépendons à la fois de la BCE et à la fois de la Banque de France, qui est une institution, je ne sais plus si c'est semi-privé, semi-public, ou complètement privé, je ne sais plus. Or voilà, pour se protéger des aléas de l'économie, l'économie marche, on dit souvent par cycle, ça va bien, ça va pas bien, etc. Enfin, en tout cas, il y a des aléas. Pour se protéger des aléas et pour donner une stabilité au financement des biens et services publics, de l'infrastructure, de la nation, etc., qui, ça, doit être pérenne et stable dans le temps, parce que c'est l'ossature, c'est la structure vraiment de notre pays, on ne peut pas avoir recours à l'impôt, parce que l'impôt dépend de la santé de l'économie, si je dois reprendre ces propos-là. Donc, quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus logique, de beaucoup plus sage, raisonnable, me semble-t-il, c'est simplement de posséder en propre pour être souverain et pour pouvoir avoir la possibilité de sa volonté politique, de posséder le pouvoir de battre monnaie et d'en user, bien évidemment de façon raisonnable, mais de l'utiliser pour financer les politiques que l'on veut mettre en place. Premier point. Le deuxième point, si impôt il doit y avoir, et d'ailleurs ce que j'ai dit, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je vous y renvoie sur ma chaîne, si il doit y avoir impôt, l'impôt ne doit pas servir à financer l'État, mais doit en réalité servir à limiter l'accumulation de la richesse par individu. Okay? Donc typiquement, un Bernard Arnault dans une société bien organisée, raisonnable, ça ne peut pas exister. Pas la personne de Bernard Arnault, je veux dire la richesse de Bernard Arnault. Il faut que collectivement, dans le cadre démocratique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, nous définissions un plafond d'enrichissement maximum pour les individus, par individu, ok? Enrichissement financier, matériel, immobilier, entrepreneurial, tout englobé, ok? Donc, c'est dans ce cadre-là que l'impôt doit être utilisé. L'impôt doit servir
à réguler un plafond, quand on atteint tel plafond d'enrichissement, etc., eh bien voilà, ce qui est au-dessus est réinjecté ou détruit, parce que la monnaie est créée, détruite, etc., ou alors réinjecté dans les services ou dans les biens dont on aurait besoin, même si en parallèle, on peut de toute façon les financer, par la création monétaire. Mais l'impôt n'a pas la fonction de financer l'État, le fonctionnement de la nation. Ça se fait par la création monétaire. L'impôt a fonction de réguler en réalité l'accumulation de richesses, soit par individu et par entreprise, soit par produit ou secteur économique, etc., etc. Enfin, là-dessus, on peut réfléchir là-dessus. Mais voilà, il faut séparer l'utilité de l'impôt, régulation et financement de l'État, pour le dire très simplement, par création monétaire. Par le pouvoir souverain de battre monnaie. Okay ? Surtout que la France est un pays, par l'institution Banque de France, qui produit, la Banque de France est l'institution qui produit le plus d'euros pour la France, mais aussi pour d'autres pays qui n'ont pas ce savoir-faire, alors que nous l'avons. Donc ça, il faut le prendre à notre compte. Surtout, je le dis aussi en commentaire sous la vidéo, si on veut instaurer un rapport de force avec l'Union européenne pour essayer de faire bifurquer la politique, entre guillemets, néolibérale et en réalité antilibérale. Donc il ne faut pas dépendre de la BCE et pas non plus des banques privées. Il faut être souverain et avoir en propre le pouvoir de se financer pour ne pas offrir ce flanc-là, offrir cette possibilité-là de rétorsion ou de contrainte de la part de l'Union européenne éventuellement. Donc là, on serait plus en situation de force pour pouvoir négocier. Autre point, Jean-Luc Mélenchon parle un peu plus tard d'impôt universel. Or, il y a quelques semaines de cela, ou un mois à peu près, j'ai assisté à une conférence en ligne avec le député Éric Coquerel, conférence très intéressante, dans laquelle il nous expliquait qu'il y a eu une commission parlementaire, il me semble que c'est comme ça qu'on dit, qui a montré qu'en réalité, l'instauration, à l'instar des États-Unis, d'un impôt universel n'est pas possible pour la France. Les États-Unis peuvent le pratiquer, c'est-à-dire que tous les Américains, où qu'ils soient dans le monde, doivent payer des impôts aux États-Unis. Okay ? Ils doivent payer des impôts là où ils sont, mais ils doivent payer le reliquat, la différence, aux États-Unis. Or, ça, la France ne peut pas le faire. Les États-Unis peuvent le faire parce qu'ils obligent le monde à utiliser, à commercer avec leur monnaie, ce qui permet de légitimer leur monnaie, parce que maintenant, le dollar n'est plus adossé à aucune valeur matériel tel que l'or ou quoi aux caisses. Donc pour continuer à imposer son utilisation et donc la confiance dans cette monnaie et le fait qu'elle puisse exister, sa légitimité, alors ils obligent tous, autant que nous sommes, quand on fait du commerce à l'international, à utiliser le dollar. Okay, par exemple, moi qui suis au Japon, si j'achète des trucs en Chine pour faire du business entre Chine et Japon, Chine, yuan, Japon, yen, et pourtant, il faut commercer en dollars, ce qui n'a rien à voir, mais voilà. Okay ? Donc ça, parce que les États-Unis ont cette puissance d'imposition de leur volonté, ils peuvent alors imposer à toutes les nations et à toutes les banques des différentes nations d'identifier les clients américains ou soupçonnés de l'être, donc que les banques informent les autorités américaines, où qu'elles soient dans le monde, ces banques, où qu'elles soient dans le monde, d'informer les autorités américaines pour que les Américains puissent demander des impôts à leurs ressortissants ou prétendus ressortissants, où qu'ils soient dans le monde, d'accord ? Ça, la France ne peut pas le faire. Donc ce qui était sorti de la conférence avec Éric Coquerel, c'est que cette histoire d'impôt universel est en réalité inapplicable. Et en réalité, la conclusion de cette enquête, je ne sais plus comment on appelle ça, c'était qu'en réalité, il s'agit de lutter contre l'évasion fiscale. Donc, parler d'impôt universel pour lutter contre l'évasion fiscale, à mon avis, c'est problématique. Pourquoi ? Parce que dans la tête des gens qu'il s'agit de convaincre, parce que nous, insoumis, on a bien compris la logique et on a bien fait notre choix pour 2022, mais il s'agit de convaincre les gens qui ne sont pas insoumis, à la fois ceux qui s'abstiennent, mais pourquoi pas aussi, au-delà, ceux qui ont l'intention de voter sans vraiment savoir à l'heure actuelle pour qui ils vont faire. Donc dès qu'on parle d'impôt, dans l'imaginaire, c'est une ponction sur notre richesse personnelle qui, on le sait, se dégrade de plus en plus. Donc c'est perçu comme quelque chose de négatif, d'un,
C'est quoi le terme qu'on emploie en ce moment? Le pouvoir d'achat, voilà, c'est une réduction du pouvoir d'achat. Et c'est la caricature, et c'est aussi donner le flanc à la caricature habituelle que fait la droite ou les médias bourgeois, etc., de gauche égale imposition, augmentation des impôts, etc., etc. Donc c'est un très mauvais signal, parce qu'il faut rentrer dans des explications plus complexes pour expliquer qu'en réalité, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui est concerné et qui est touché, mais en réalité, les plus riches ou les entreprises les plus riches, etc. À mon avis, c'est un défaut de communication, et ça ne va pas nous permettre de rassembler au-delà de nos rangs. Je pense qu'il faut abandonner cette terminologie et cette explication d'impôt universel pour revenir à quelque chose qui est identifié par la population, même les non-politisés, à savoir la lutte contre l'évasion fiscale. Ça, tout le monde le comprend, et je pense qu'il y a une majorité de personnes qui sont pour. Voilà. Donc, abandonner ce terme d'impôt universel et revenir à « on va mettre les moyens humains, financiers, matériels pour lutter réellement contre l'invasion... l'invasion, mais pourquoi je dis invasion ? L'évasion fiscale. » Or, là, dans son discours, en tout cas au début, je ne sais pas si après il va modifier ce qu'il a dit, mais Jean-Luc Mélenchon est en contradiction, si on veut, avec la conclusion qui nous a été présentée par Éric Coquerel dans la conférence dont je fais mention. Donc là, je ne comprends pas ce décalage-là. Quoi qu'il en soit, en tout cas, je l'avais dit lors de cette conférence et je le redis ici, il faut abandonner ce terme d'impôt universel. Universel, c'est un mot qu'on peut penser positif, mais impôt qui le précède est un terme qui est mal apprécié, mal compris, et il y a de plus en plus un rechignement, c'est pas le terme, mais un effondrement de l'accord, c'est pas le terme que je cherche, de payer des impôts de la part des Français, parce que à cause de cette politique anti-libérale qui consiste à dilapider l'argent, à ne pas l'utiliser pour les services et les biens publics, pour l'intérêt général, d'accord ? Et donc, d'un côté, on paye toujours autant d'impôts, pour certains un peu moins, pour la tranche supérieure, beaucoup moins, pour le reste peut-être un peu moins, ou un peu plus, enfin en tout cas, on n'a pas l'impression que ça bouge beaucoup pour monsieur et madame tout le monde, alors qu'au contraire, on voit se dégrader de plus en plus les biens et les services publics. Donc, la conséquence de ceci, c'est que le consentement, voilà, c'est le mot que je cherchais, le consentement à l'impôt s'effondre. Donc, si on parle d'impôt, il y a une contradiction avec la situation psychologique de compréhension des mots actuelle, me semble-t-il. Voilà, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà suffisamment longue. Désolé pour le bafouillement, etc. Je ne suis pas du tout un professionnel de la communication, comme vous en rendez compte. Si vous avez des commentaires à faire, que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, etc., bien évidemment, vous êtes les bienvenus pour vous exprimer dans le respect. Et comme toujours, alors d'abord, avant de conclure, je renouvelle évidemment mon soutien à Jean-Luc Mélenchon. Je sais très bien que en période électorale, se recevoir des critiques, même si ce sont des critiques constructives, je le rappelle, de la part de son camp, puisque c'est comme ça que je me définis, c'est peut-être pas forcément agréable, mais vraiment c'est dans une optique d'amélioration fraternelle, d'accord, de respect que je fais ceci. Donc ça, je tenais à le redire. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la France !